Le numéro 146 de Formation Emploi traite de l'apprentissage en Allemagne. Il est particulièrement original car il est le fruit d'une collaboration entre l'Institut fédéral de la formation professionnelle allemand, le BIBB, et le CEREC et la revue Formation Emploi. En Allemagne, l'apprentissage est la principale filière de formation dans l'enseignement secondaire. Par exemple, 2/3 des jeunes suivent la formation en apprentissage suite à une orientation précoce. En revanche, dans l'enseignement supérieur, l'apprentissage est assez limité et il y a vraiment une difficulté pour que les jeunes qui sont formés dans l'apprentissage dans le secondaire passent dans le supérieur. Alors les principaux points forts du système allemand sont d'abord la bonne insertion des apprentis dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent. C'est aussi le fait que l'apprentissage soit développé. C'est la bonne coopération et le bon dialogue social autour de l'apprentissage entre les entreprises, les différents partenaires sociaux. Les difficultés de l'apprentissage en Allemagne sont de plusieurs ordres. La difficulté principale, certainement, c'est d'accueillir une population variée. On voit que les femmes, notamment, peinent encore à entrer dans l'apprentissage. D'autre part, le nombre de places en apprentissage offertes est inférieur aux demandes des jeunes. Les jeunes doivent attendre parfois plusieurs années avant de trouver une place en apprentissage. L'apprentissage en Allemagne est vraiment face à des défis aujourd'hui. D'abord avec la question de l'intégration de l'enseignement supérieur, mais aussi il semble qu'on soit à un certain palier par rapport à la participation des entreprises en apprentissage et que le dialogue social n'arrive pas à résoudre ces difficultés. Être apprenti en Allemagne est plus simple dans la mesure où c'est plus accessible. Pour autant, la faiblesse de l'apprentissage en Allemagne, c'est que en dehors de l'entreprise, quand on cherche à trouver un emploi, c'est compliqué. Alors qu'en France, les apprentis qui sont formés sont relativement bien formés, du coup ils arrivent à trouver du travail en dehors de leur entreprise où ils ont fait leur formation. Donc en fait, il y a un avantage relatif des apprentis sur les jeunes qui ont suivi une formation scolaire en France par rapport à l'Allemagne.